Nous allons introduire les liens entre les enjeux écologiques et la comptabilité des organisations. Ces liens peuvent sembler non naturels a priori, c'est pour ça que nous allons commencer par parler de la comptabilité elle-même. Les systèmes comptables peuvent être définis comme des ensembles d'informations subjectives, politiquement négociées, ayant pour objet la mesure de la valeur monétaire et non monétaire des moyens et des résultats d'une entité, entreprise, État, territoire, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que les systèmes d'information comptable imposent des métriques, donc des façons de mesurer et les modes d'analyse de ces métriques. Ils déterminent les enjeux et les événements à prendre en compte, à suivre dans le temps, et la façon de les représenter. C'est-à-dire que les systèmes d'information comptable constituent le langage des organisations, la façon dont les organisations se représentent, appréhendent le monde dans lequel elles vivent. On parle de régime de visibilité et d'invisibilité, c'est-à-dire que si quelque chose n'est pas pris en compte dans les systèmes d'information comptable, l'entreprise, l'organisation est aveugle à cette chose. Les systèmes d'information comptable construisent aussi des systèmes de responsabilité. Qui est responsable, qui est comptable, envers qui et envers quoi? Est-ce que l'entreprise est responsable envers des parties prenantes, envers la société, envers l'environnement, etc. Les systèmes d'information comptable constituent aussi des supports de discussion et de communication sur ces informations. Donc ils définissent, mesurent et suivent dans le temps les moyens et la dégradation de ces moyens, les résultats et les performances associées dans un sens très large. On comprend dès lors que si on veut intégrer les enjeux écologiques au sein des organisations, il est difficile, voire impossible, de ne pas restructurer, repenser, reconceptualiser les systèmes d'information comptable. La comptabilité élargie aux enjeux sociétaux émerge à la fin des années 60. Le cadre réglementaire actuel français renvoie principalement à l'article 225 aujourd'hui. Cet article 225 impose aux grandes entreprises des informations extra-financières dans leur rapport annuel. Cet article 225 va être enrichi sur certains points par la transposition actuelle de la directive dite RSE. Si on analyse les grandes tendances de la comptabilité élargie actuellement, sans être exhaustif, on constate que, de façon générale, les cadres socio-économiques dans lesquels se construisent les systèmes d'information comptable élargis restent néoclassiques, mainstream. Par ailleurs, on constate le développement de la notion de capital extra-financier pour se saisir des enjeux extra-financiers au sein des systèmes d'information comptable. Donc le capital naturel pour les enjeux environnementaux, le capital humain et social pour les enjeux sociaux. On constate aussi le développement et l'enrichissement d'outils comptables et de systèmes comptables qui existaient déjà, par exemple l'analyse de cycle de vie qui émerge à la fin des années 60. On voit aussi la progression du principe de la valeur actualisée quant au problème de la monétarisation, si besoin, des informations extra-financières dans les systèmes d'information comptable. Ce qui est sûr et ce qui apparaît clairement, c'est qu'il y a un renforcement de plus en plus prononcé de l'institutionnalisation de la comptabilité élargie. La comptabilité élargie devient de plus en plus importante au sein du développement durable et de la soutenabilité d'entreprise. Maintenant, si on s'intéresse aux interrogations, aux questionnements, sans être exhaustif là aussi, liés à la comptabilité élargie. On peut mentionner tout d'abord les liens entre la mise en pratique, la mise en œuvre de la comptabilité élargie et les conséquences socio-environnementales de cette mise en œuvre. Par ailleurs, il y a des interrogations sur le caractère auditable, voire certifiable des systèmes d'information comptable élargis. Le problème de la pertinence et de la significativité des informations extra-financières constitue aussi une autre source d'interrogation. On parle de matérialité des informations. Il y a beaucoup, il y a une multitude d'informations extra-financières, il faut faire des tris, des choix, et donc comment faire ces tris? Et enfin, en lien avec la première grande tendance que j'ai mentionnée, il y a des interrogations sur les possibilités et les nécessités de recourir à d'autres cadres socio-économiques pour autres que les cadres néoclassiques, pour peut-être mieux structurer les systèmes d'information comptable et mieux prendre en compte les enjeux écologiques. Alors, les systèmes d'information comptable élargis ne sont pas tous équivalents, ils ne sont pas orientés selon les mêmes directions. Certaines directions peuvent être complémentaires, d'autres peuvent être radicalement opposées, et cela donne lieu à des controverses. L'analyse et la compréhension de ces controverses est fondamentale, puisqu'elle renvoie en fait à la façon dont l'entreprise se représente le monde dans lequel elle vit. Alors parmi ces grandes controverses, on peut signaler celle des destinataires principaux des systèmes d'information comptable. Il y a toujours des destinataires principaux. Donc est-ce qu'on reste sur les actionnaires qui sont les destinataires principaux standards? Est-ce qu'on élargit à des parties prenantes autres,
classiques, par exemple, comme les fournisseurs ou les syndicats, ou des parties prenantes non classiques, comme les ONG. Une autre controverse renvoie à la comptabilité dite extérieure-intérieure versus intérieure-extérieure. La comptabilité extérieure-intérieure comprend les systèmes d'information comptable comme devant intégrer en fait les impacts positifs et négatifs de l'extérieur, de l'environnement, sur l'intérieur, c'est-à-dire sur l'organisation. Donc les enjeux écologiques, par exemple, sont appréhendés comme des sources d'opportunités ou de risques contraintes pour l'entreprise. La comptabilité intérieure-extérieure, elle, comprend les systèmes d'information comptable comme devant intégrer les impacts de l'organisation sur l'environnement. Et donc là se pose la question la façon de mieux intégrer les enjeux écologiques selon donc un critère extérieur-intérieur ou intérieur-extérieur. Une dernière controverse à mentionner parmi le grand nombre de controverses existantes renvoie à problème de la valorisation. Est-on sur des valeurs non monétaires, par exemple les tonnes de carbone, ou sur des valeurs monétaires, ce qu'il ne faut pas confondre avec la financiarisation, valeurs de marché, valeurs hors marché, comme les consentements à payer, valeurs actualisées dont j'ai parlé, ou coûts pour faire quelque chose, restaurer, maintenir, etc. Je terminerai en mentionnant un certain nombre d'exemples de comptabilité élargie. Je vais commencer en fait comme introduction par en fait la comptabilité financière standard. On peut se poser la question, est-ce qu'elle intègre des enjeux extra-financiers ? Force est de constater que non. Et on peut même dire qu'elle est plutôt orientée spécifiquement vers les actionnaires, qu'il y a des difficultés à intégrer d'autres parties prenantes et que les comptabilités financières normalisées sont plutôt structurées selon la vision extérieure-intérieure. Alors, les comptabilités élargies traditionnelles actuelles sont par exemple, là aussi sans être exhaustif, le référentiel du Global Reporting Initiative qui est mobilisé par plusieurs multinationales, par plusieurs PME actuellement, la notion d'analyse de cycle de vie dont j'ai déjà parlé, la triple bottom line qui est un reporting en fait de capital naturel, capital social et capital financier. L'Integrated Reporting qui tend à s'imposer comme le reporting en fait, de différents types de capitaux extra-financiers, mais qui reste toujours orienté vers les actionnaires, qui reste en comptabilité extérieure-intérieure. Et je terminerai avec un reporting intégratif ou intégré alternatif qui est CARE-TDL, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement Triple Depreciation Line, qui est un reporting intérieur-extérieur, multipartite, et qui vient de faire l'objet d'une recommandation du Conseil économique, social et environnemental.